Dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption, président République la voye yon message important bay tout diaspora, tout paysan ak tout moun kap vive nan kapital la. Yon façon pour desitire corruption nan pays ya, tout bon vrai. Monsieur le président, gen yon ti proverbe créole qui dit je wè bouche pe, pas vrai? Ou kon antre nan yon bureau l'état et puis gen papier ou al fè, mais selon constitution, li di ko pa paye pou papier sa. Mais nou kon rive, yo fèn paye gros somme kòb pou papier sa. Nan ka sa, ki sa wap di an tanke président? Dénoncer moun ki mande nou l'argent ba tab pou yon service nan bureau l'état yo. Parce que je wè bouche pe a pa ka servi ankòb. Fòk nou dénonse tout. Là nous connaissons un monde qui a détourné l'argent de l'État, matériel de l'État, pour régler les affaires personnelles avec famille ou amis. C'est devant nous tous. Moi connais que ça m'a donné un pile courage, un pile détermination, un pile bravo. Parce que là c'est gros chef, gros autorité qui a matériel de l'État par exemple. La caillou ou même directeur départemental, ministre, directeur général, travaux publics, nous qu'on paie ou bien nous gêner pour nous prendre. Lors paie ou bien nous gêner ou c'est complice, ça veut dire ou sont corrompus tout. Même gens avec moun qui fait là. Pour un job l'État, c'est pour un engagement devant le peuple là, pour ces villes. Et pour ces villes, c'est là où il y a une capacité pour mettre bien l'État au service. Et j'en ai fait ça. C'est là où bataille pour empêcher les gens de prendre bien l'État pour servir la tête pas. C'est là où goumen pour empêcher les groupes de gens de prendre bien l'État pour servir la tête pas. Faut que je dis à nous connaître que nous avons une responsabilité pour nous tous entrer dans la bataille contre la corruption dans le pays. Nous songez qu'il y a des décisions, le moi-même, président, je prends des décisions pour prendre. Tant que nous avons changé, ancien directeur général électricité d'Haïti. Dans le pays, nous voyons ce qui s'est passé. Les décisions prennent pour que le président CSPN ait mobilisé la force publique pour que le bureau EDH ne soit pas boulé. Parce que tout le monde qui est dans le service de renseignement dans le pays a été connu. Si je sois ça, l'État n'a pas de point d'électricité d'Haïti. Je dis à nous pas bien bureau aider à ça en bas. L'État boule. Pendant un mois et une semaine, poteau électrique coupé dans tout le pays. Transformateur tombé. Employé EDH passé par là à travers tout le pays. Levé campé. Nous sommes campés ferme. Parce que nous sommes croyés que les machines ont besoin de l'autre chauffeur. Et de jour, une décision ça prend pour arriver aujourd'hui, moi crois tout le monde, tout haïtien, ni ça qui vivre ici, ni ça qui vivre l'autre bord de l'eau, nous avons changement dans les affaires courantes dans le pays. Et pourtant, ILCC. Je peux pas vous fouiller, j'ai regardé. Dans 20 millions de dollars qui t'a dépensé pour Blackout, je dis à nous pouvons dépenser 10 millions de dollars pour bailler lumière. Pendant tout le temps, ça, ILCC, qui ça comme ça t'a fait? Écoutez le talé. Qui est-ce qui t'a mangé? Moi, quoi que je dis à
Jean, un gros proverbe français qui dit, directeur ILCCA, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous sautez parler, nous écoutez, et vous parlez tant que garçon. Garçon, canson. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour moi, pays, il y a des jeunes qui comprennent, qui route que nous voulons faire avec l'État. On l'État pesé sous ce, un système côté nous voulons convertir en l'État serviteur, un système que nous voulons mettre au service majorité. Mais pour nous mettre, il faut nous travailler pour que nous ne pas casser feuille couvrir ça. En Haïti, nous toujours ap casser feuille couvrir ça. Yo toujours fait comprendre ces dossiers qui couvrit dossier ou bien ces dossiers qui entrent dans l'autre dossier. Dans ce sens, dossier courant, nous connaît l'État a payé 20 millions de dollars par mois. Pas de chambre courant. Kounya gè seulement 6 millions qui dépensé. Moi wè gros amélioration. Qui sa directeur EDH la dit nan cause ça? Qui sa le bon comme explication parce que les 20 millions ont payé al de toujours là et jusqu'à présent gè seulement 6 millions qui fait toute action ça yo li toujours là. Expliquez-nous non. Directeur général EDH la Chita là. Faut l'expliquer comment tout courant ça bay nan pays a pour 6 millions 7 millions dollars. Faut qu'a dit pour qui ça? Blackout la t'a bay pour 20 millions de dollars. Pour elle c'est se fouiller regarder sous ça. Pour quoi comme ça? Combien caille li bâti? Combien gros caille l'acheter dans pays étranger? Combien gros bateau l'acheter, gros yacht, belle bagaille, belle meuble, belle bijou, l'argent peuple là. Bataille ça pour mettre lumière dans pays là. C'est ce qui permet la génération qui vient. Tout petit monde qui aujourd'hui, dès qu'on a une lumière, les gens fêtent patronale, les fêtes décembre, les gens gros chefs qui vient, dans plusieurs gros villes dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde commence à dormir dans la lumière, il lever dans la lumière. Et l'État a dépensé 20 millions de dollars, il a dormi dans le feu noir, il lever dans le feu noir. Explication ça yo faut peuple la connaît pour qui ça si moun sa yo t'a dormi dans fait noir yo t'a levé dans fait noir et l'état t'a dépensé 20 millions de dollars faut pays d'Haïti comprendre pour qui ça dans budget national la chaque année toujours gagne 240 millions de dollars qui dans budget pour blackout jodi a dans budget national là 240 millions de dollars, ça, à dépenser comme ça doit, mais pour bailler lumière. Ça, moi, pense que, on petit fouillé, j'ai regardé, ILCC, la donne, pas t'a dérangé. Au contraire, ça te arrangé, nous, permettre génération qui a venu, comprendre que gagne des bagages leur fait yo faut pour payer pour yo parce que 20 millions de dollars c'est 20 millions de dollars dans tout pays sur la terre jodi a avec 20 millions de dollars si nous te dit n'a mettre dans éducation yon salle de classe construit 30 000 dollars multiplié divisé 20 millions par 30 000 ouais chaque mois combien salle de classe pour tout monde ministre éducation nationale là m'pa quoi là. Mais il dit que le pays a besoin de 70 000 salles de classe pour nous faire offre scolaire, vu nos réalité à une vérité, pour tout le monde qui a allé à l'école gratis, tout bon vrai. Jean-Maman Loi pays a dit ça. Si vous prenez 30 000 dollars une salle de classe, vous multipliez par 12, ça vaut 360 000 dollars pour l'école. On dit pour mettre cafétéria et autres, arrondi à 500 000 dollars, 20 millions. Qui a construit 40 écoles chaque mois. Regardez depuis qu'il est l'étape dépenser 20 millions. 2008, 2009, 2006, 2007, même oublié depuis qu'il est. Et pourtant, tout le monde a parlé de persécution politique.
Et pourtant, personne pas voulu prendre courage à deux mains pour dire ça inacceptable. Et c'est wall nous aujourd'hui à la journée 9 décembre ça pour nous dire que pour l'État camper comme seul derrière dos directeur général du LCCA pour pas besoin de garder derrière pour pas peur parce que garçon me sont tenté de parler là moi son garçon pas contre peur pour nous capables chercher comment l'agence a dépensé comme ça doit. Il y a un rapport qui fait, rapport 2015, dans les affaires d'électricité. Vous commandez, font-ils électrique sur le rapport ça? Même les rapports à gros en pile, mais ils ont résumé exécutif. Et je connais la carrière où il y a un monde pour ça, qui pour lire, pour comprendre bien comment l'agence a été dépensée. Pour qui ça, je dis, c'est 6 ou bien 7 millions de dollars. Il y a un résultat là aujourd'hui. Bon, président, pour Jean ou parler là, nous te conjoint 20 millions de dollars fait noué. Et qu'on y a ou pas même utiliser moitié dans cob là. Si bien comprendre, nous pas jamais dépenser 20 millions de dollars encore. Et si ça t'arrive nous dépenser 20 millions de dollars tout. Qui j'en pense bagaille la pied, est-ce que pays d'Haïti a bon lumière qui même j'ai avec soleil là? Ou bien est-ce qu'elle a toujours été éclairée tant que l'autre gros pays, par exemple la Russie, les États-Unis? Ben nous plus de détails sur ça. Non? Nous pas dit nous pas dépenser 20 millions. Mais les nous arrivons dans 20 millions, tout pays a presque fini, mais 24 sur 24. Ça veut dire quoi l'État pas capable de dépenser pour groupe monde riche, quelle que soit couleur, quelle que soit origine sociale, de pour manger l'argent l'État mal, c'est pour y arrêter. Quel que soit mon nom. Et pas oublier, leur corruption vire contre tout directeur général. C'est un coup son âme nucléaire qui vire contre tout. Moi-même, je ne parle pas de la là. Je suis un peu de bagage. Sous les corruptions vire contre tout. Ça veut dire que les nègres viennent offrir gros bagage ou pas d'accord. Ou dit non. Mais où tu vas faire payer ya, il est comme ça le virer contre tout. Vous connaissez comment le virer contre tout? Le virer contre tout, dans l'assassination de caractère, dans le fait mentir sur, dans le fait 10 sacs pas ça pour détruire. Mais il faut avoir une capacité pour camper. Parce que l'État d'ailleurs, tout le monde qui peut d'ailleurs, qui peut faire que, même si gros l'argent dépensé, même gens ça saute tout fait pendant deux dernières années dans le pays. Compte monde qui campé qui parler devant là. Il y a des jours me lever, me garder dans glace pour me demander est-ce que c'est de moi à parler. Mais nous plier, nous pas casser. Et nous pas là pour ne pas persécuter personne, nous toujours dit ça. D'ailleurs, moi dis que dialogue là il permanent. Il faut nous jouer une solution pour nous mettre le pays sur route. On bon gens, négociation, dialogue avec frère, nous seuls nous qui sommes politiques. Mais affaires réformes, il faut nous mettre à côté. Réforme pas qu'un dialogue politique. Réforme pas qu'un affaires, négociation politique. On gros taureau qui a pillé l'État, c'est sous côté pour eux. Ou là, vous mettez en prison ou même. Les gens qui sont politiques sont l'autre bord. Pour nous négocier, pour nous diriger le pays. Il faut nous suspendre, mélanger les choses. Et c'est triste ça que je vous dis, nous demander qui pour faire dans le pays. Pour que les gens qui te comprennent que c'est l'État. Pour qu'on ait un moment arrivé aujourd'hui, l'État a dirigé. Parce que le pouvoir, cela s'exerce. L'on peut bon pouvoir s'exercer pour exercer. Il n'y a pas bon pouvoir pour prendre, pour demander aux gens. Qui ça pour faire? C'est la loi pour boussolo. Et puis à partir de ça, la loi dit pour exercer le pouvoir. C'est pour me dire, je connais pour travailler, directeur général du LCC.
Je connais pour faire un pile travail avec l'équipe. Même les jours tout, depuis que je suis monté président, ça m'a été dans la tête et c'est lui qui vivait fait aujourd'hui. C'était dépolitiser ULCC. Aujourd'hui, il y a ULCC qui est indépendant. Un ULCC qui a une tête. Qui est capable de mener une enquête livrée, qui est capable de chefouiller, de regarder, de côté levé. Parce que le pays a. Pour nous quitter le petit monde qui est venu, pour nous, mon pays, même gens, avec tout l'autre pays, il faut que ces jours d'y aller commencer le travail. Il faut nous comprendre que Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, ce n'est pas la République du Cap-Haïtien, de Caille, de Jérémy, de Port-au-Prince, de Jacques Mel. Haïti, c'est la 5e section communale de Saint-Marc, la 2e section communale d'Anse-Deno. Haïti, c'est pour les gens qui étaient loin, 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 loin. Les gens que vous considérez pas les gens, c'est pour eux les deux. Il faut nous mettre Haïti, l'État et l'administration publique au service des gens. Combien de sections communales dans le pays? Combien de communes dans le pays que l'État absent? Combien de quartiers populaires dans Port-au-Prince côté l'État absent? Mais pour l'État présent, tout côté, il a besoin d'argent. Et comme ça, pas qu'à nommer moun. Comme ça, il faut nous ramasser pour le rete au service du peuple. Mais pour le fait, il faut institution qui là, nous renforcer. Nous avons besoin des institutions fortes dans le pays. Mais nous n'avons pas besoin d'hommes forts. Il faut renforcer les institutions et les hommes doivent être au service de ces institutions. Monsieur le Président, ça fait longtemps, oui, on parle de Haïti. Expliquez-nous, non, parce que chaque monde rêve de Haïti d'une autre façon. Comme vous-même, vous êtes premier citoyen dans le pays, ya? Nan cas ça, bon plus explication parce que, kapaola kapi spécial, li kapi standard, comme ça tout li kapi bon. Ou ka ouè pi loin passé nous. Donc, nous besoin qu'on ait qui Haïti ou même ou rêve tout bon vrai. Ya? Un pays que nous tous rêvons, son pays côté qui a une harmonie, un pays qui a une bon vivre, côté monde qui a vivre tant que capable vivre tant que monde. Mais c'est pas ça qui a passé aujourd'hui. Hein. Comme président, pas là pour me constater ni critiquer, moi là pour agir et c'est ça m'a fait. C'est pour ça dans affaires route, dans affaires courant, dans affaires de l'eau, c'est pour ça dans affaires réforme qu'a fait. Problème qu'a bail dans pays a n'a prend n'a mette sous en place loi pour institution qui a bien marché, c'est ça m'a fait et c'est ça nous devons faire nous tous qui a servi l'État aujourd'hui, nous tous qui n'a job l'État, nous tous c'est des serviteurs publics que nous y nous tous nous là pour nous servir tout le monde même genre depuis haïtien que haïtien qui riche que haïtien qui pauvre. C'est pour nous servir tout haïtien. Et nous tous qui dans l'État, tout, nous pas là pour nous faire représailles sur le monde parce que nous dans la démocratie, le monde qui est dans politique, pour idéologie politique, pour conviction politique. Nous là pour nous servir tous, même gens avec le monde qui allié pouvoir, même gens qui est dans l'opposition. L'État là pour servir tout le monde. Parce que le peuple haïtien sont seuls liés. Il n'y a pas l'État qui l'a pour servir le monde pour le président Jovenel ou bien pour pas servir le monde qui compte le président Jovenel. L'État l'a pour servir tout le monde. Et c'est ça, moi je dis, l'homme a parlé de négociation politique, moi je dis que réforme n'est pas qu'à la négociation politique. Réforme qui est pour faire et qui commence à faire pour nous, administration publique, il y a l'État qui est au service de la population, il y a l'État qui est au service du peuple. Il faut que réforme ça, il faut que vous faites. Sans prendre souffle. Il ne faut pas jamais camper. Même j'en moi-même, dimanche, je suis au moins le Saint-Nicolas. Chaque jour, je prends une décision qu'on y a à travail. On y a une dame pas là avec Timounio. Mais je connais que je demande ça, chance ça. Pour, pendant peut-être, si dans ça m'arrête, pour me travailler 7 jours sur 7. Parce que je crois que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de présence. Nous-mêmes, fonctionnaires publics, gros monde dans l'État,
que peuple a payé qui gagne gros machine gros sécurité déplacé à regarder comment il a vu dans tout le coin pays pour nous comprendre que population jodi a besoin de service nous et lutter contre corruption c'est pas un discours pour lier c'est dans fouiller j'ai regardé tout côté à regarder dans l'administration publique dans nord-est dans nord-ouest nord-est dans nord dans Atibonite dans centre sud-est grandance sud nip dans tout département pays à regarder pour nous faire des visites surprises ministre déplacer le bonjour nous pas besoin de dire qui côté nous braler et puis là nous arriver par exemple nous bat nous quitter la caille nous à 5h du matin pour 8h prendre nous dans ville un ministre avait pour toute l'autre à regarder comment administration publique dans province comment il a fonctionné en pile monde prend job l'état pour aller travailler en province et pourtant c'est n'importe quoi sécurité. Ça c'est corruption. Lui a touché l'argent l'État ou refusé de travailler pour lui. On pensait que jodi a l'important pour nous prendre date ça comme un symbolisme qui cap permettre nous goumen pour nous mettre l'État au service majorité a au service sans voix yo moun qui pas ka défendre tête yo. C'est nous-mêmes, l'État, c'est rôle nous. Et c'est pour ça moi-même, comme premier fonctionnaire public pays, nous avons comment mettre bâton pèlerin de tous côtés. Parce que malgré la zone, pour moi, abus que le système ça fait monde depuis des décennies, j'en suis le directeur général. Système ça tue le pays. Et le système ça, j'en dis, et m'a répété le matin encore, il faut le craser. C'est la seule chance pour les amis, pour soutenir les amis. L'idule difficile pour gagner des réalités pour vivre. Mais pourtant, c'est ça. Il est visible tout le monde connaît. En pile le monde. Comprenez-vous. Bon, monsieur le président, dernière question nous gagnons pour vous pour aujourd'hui. Expliquez-nous qui j'en comprenne phénomène ça, parce que, en Haïti, il y a plus de 12 millions de monde qui vivent là-dedans, et il y a 3 millions qui paguent acte de naissance. D'après vous-même, qui ça qui cause, et qui ça ou qui propose, qui ka résoudre problème ça, parce que, selon constitution, il dit, tout haïtien, depuis un petit monde fait, il suppose qu'il y a acte de naissance gratis. Donc, si acte de naissance en fait gratis, pour qui ça a gros 3 millions, moun kap viv et gen moun ki fait, pour jusqu'à ce que yo mouri yo pa chanm gen acte de naissance. Nan ka sa, qui sa pense? Qui sa, qui jan nou capable résoudre problème ça? Comment pour nous comprendre qu'un pays qui gen environ 12 millions moun, gen 25% qui pa gen acte de naissance? Ça pas fait personne. 3 millions haïtiens pas gagné acte de naissance. Décision qui prend ministre justice qui là, me pensais ministre c'est pour mettre en quatre ou même seul pour assurer je nous te dis dans office national identification songez pour assurer que chaque semaine il y a 50 000 frères noirs chez nous qui viennent baptiste. Assurez sur ça pour que mot d'ordre ça respecté. Ce n'est pas possible. Chaque ça nous est rangé. Problème Baptiste, ça. Nous ne pouvons pas nous combattre. Mais nous prenons une décision pour nous ranger dans 2 mois. Kimbe, on nous range. Parce que les gens, c'est les gens qui même Jacques. Comment pouvons nous faire pour avoir un acte de naissance? Et puis ça va dire nous. Hein. Ça veut dire pas identifier. Moi, je crois que aujourd'hui, c'est un gros jour. Parce que lutter contre corruption, c'est mon travail pitié. Et seul ça m'a comme satisfaction. Moi, je vois que grand pile de monde commence à comprendre. L'ambassadeur de l'OEA qui est là avec nous aujourd'hui, je sais que l'OEA est en train de travailler pour trouver des fonds pour l'ULCC. J'encourage ce processus parce que nous avons besoin des moyens financiers pour lutter contre la corruption aussi. Parce que cette corruption que nous sommes en train de connaître dans le pays, elle est sophistiquée. Il faut gagner
des moyens sophistiqués pour nous combattre tout. Au grand mot, les grands remèdes. C'est pour ça, je crois que je dis, l'État, au plus haut niveau, nous décider, nous camper derrière moi sur le fondement public à la police nationale. DG police là, je peux le comprendre. Et je crois nouveau directeur, la police qui sous nouveau leadership, ça parle pour accompagner l'État. Parce que la police, c'est bras armé que l'État a gagné pour mettre l'ordre côté gain des ordres. Je crois que l'État que m'a dirigé, l'État que me rêvais quitter pour payer ça, sont l'État qui va le servir, sont l'État qui doit au service majoritaire. Et l'État, ça, pour le service majoritaire, il faut jamais se dire là, administrateur public, gros chef dans l'État, il va commencer à comprendre que l'État, ce n'est pas grande ville seulement. Même j'aime dériver, dans la deuxième section communale, Mol Saint-Nicolas, je dirais première section communale, dans la localité Côte de Fer, Gon lycée, c'est deux noms que lycée a là. Même Jean Timoun, lycée Jean Rabel, lycée lui, Joseph Janvier, qui était venu joindre moi, Mol Saint-Nicolas, qui vous me dit, président, nous pas un local. Ça veut dire, Timoun, ça, yo. Timoun, lycée, la découverte dans Mol Saint-Nicolas. Timoun, lycée, Bombardopolis, qui dit, yo pas un bloc sanitaire. Mais Timoun, ça, aussi, yo pas un président, un ministre, un. Mais là, on n'a pas un bloc sanitaire. Comment comprendre ce que ça veut dire? Tout le monde peut parler. Je dis à ce qu'on pèse à PSA parce qu'il pète déjà. Nous ne pouvons pas former des gens qui peuvent diriger l'État. Et puis, pour ne pas faire besoin physiologique, il n'y a pas un côté pour faire. Ce n'est pas possible. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale, le cap gardé, le capitaine de là, le premier ministre, il faut nous revisiter tout le lycée dans le pays pour nous voir qui côté. Qui a un problème, ça yo? Qui comme combien un bloc sanitaire coûte? Tout ça yo, bataille qu'on a fait contre corruption, l'argent ça yo a venu servir pour permettre une campagne menée contre ça pour que gagne un bloc sanitaire dans tout pays, dans tout lycée, dans toute l'école nationale qui est dans le pays. Parce que si nous voulons former des citoyens avec dignité, Jean-Ministre économie et des finances, ça dit pour nous respecter dignité. Avec intégrité fonctionnaire public, on nous respecte dignité et intégrité de l'école. Yo. Parce que c'est eux qui viennent nous-mêmes. Combien de nous avons l'école lycée qui était dans l'école nationale? Et je dis à Chita là, dans la salle. Salle, qui vient aujourd'hui à mon cap diriger le pays, Chita là dedans. Les plus hautes autorités de ce pays, ils sont là, je dis. Je crois que. C'était important pour nous faire toute remarque ça, dans la journée. Ça. Parce que pour le directeur général UNCCA, on est que le job là, pas facile dans la main. Bon, haïtien, haïtienne, cause Jewe Bouchpeya, ça a fini. Faut que nous dénoncions tout le monde qui a corruption dans le pays. Parce que ça fait qu'à se faire couvrir ça. Ça a des gros conséquences et c'est yon a payé journée jodi. Sinon, tout l'argent ça yo, l'État dépensé nan payé blackout, nous pas tab chanm dépensé yo, parce que nous tab jouen l'argent ça pour nous faire l'autre gros gros travail. Nous tout rêve wè yon l'autre Haïti. Si pour ça yo fait, fok réforme fait, tout côté. Et exige tout moun nan n'importe branchou ya, pour bay rapport pour nous connaître combien cob qui entré équivalent l'argent que l'État lui-même li économiser pour tout ça au fait li important depuis là nous fait pour nous gagnons nom yon papier qui identifie nous comme ça nous va connaître qui est nous est qui côté nous sorti et qui côté nous praler. Bonjour bonsoir tout le monde, non pas M. Foucault, n'a croisé dans l'autre vidéo. Bye bye.